Bonjour mes chers cancers, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Nicole, je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois d'octobre 2020. Désolée du retard à mettre les vidéos. Malgré moi, j'ai pas pu les faire parce que ma guidance me disait je pouvais pas le faire durant le temps des énergies de la pleine lune en bélier. Je ne sais pas si les messages ne sont pas passés ou quoi que ce soit, mais j'ai appris avec des années à écouter mes guides. C'est la première fois que ça m'arrive qu'ils me font retarder comme ça. Mais j'arrivais le jour pour le faire. Non, OK. Je suis tout à l'envers, genre, oh my God, il y en a juste 6 de fait, puis il y en a 6 qui ne sont pas faits, ils vont être en retard, hein. C'est la vie. Que voulez-vous faire, hein? Il faut qu'on... Les anges disaient... Les anges veulent qu'on pratique la patience ces temps-ci. Et puis, parce que vous voyez, Mars est en son signe du bélier. Mars, c'est une planète d'action, une planète de passion, une planète d'impulsivité, une planète d'agressivité aussi, dans le signe de l'agressivité, de la tu sais, comme... Alors, c'est très intense, comme... Puis je pense que beaucoup d'entre vous l'avez ressenti. En tout cas, Mars continue à faire des aspects difficiles, là, cette semaine. C'est des aspects difficiles avec Pluton. Pluton, c'est plein de transformation. Préparez-vous, mes chers cancers, parce que, tu sais, c'est dans le signe du Capricorne, ces planètes-là, mais ça vous affecte, hein? Vous êtes à 180 degrés du Capricorne. Alors, c'est pareil comme si vous le viviez comme nous, presque comme nous, parce que je suis Capricorne. Mais c'est intense. Mais, tu sais, il faut... Pluton, l'aspect que Mars fait avec Pluton, parce que Mars est en rétrograde, alors, c'est quelque chose relatif à notre passé. Ça pourrait être même dans la jeunesse qu'on aurait enfoui là, au plus profond de nous, qui peut refaire surface. Ça pourrait être quelque chose de banal qui va arriver, là, puis ça va faire ressurgir du plein de pensées et d'émotions du passé là, hein, qu'on avait enterré là, au plus profond de nous. Mais... c'est pour le faire remonter à la surface, pour le relâcher. Parce qu'on ne doit pas garder ça en nous. C'est pas bon pour nous. OK. Alors, je vais commencer avec deux cartes d'oracle. La première, c'est le petit oracle des anges gardiens. La carte qui a sauté pour vous. C'est la carte qui dit confiance. Je vais vous lire ce que ça dit. Tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel. Donc, tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble, ni voir les bénédictions liées à cet événement. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance, car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'auras jamais imaginée. Hein, l'univers, les anges nous demandent de faire confiance à la vie. L'autre carte que j'ai choisie, c'est les oracles, les cartes des secrets des anges de Jackie Newcomb, ici. La carte qui a sauté pour vous, c'est la carte numéro 24. Je vais vous lire le texte qui vient avec. Regardez, c'est beau. C'est écrit « Imprégnez-vous de la nature aujourd'hui ». Alors, les anges vous demandent, c'est des messages canalisés, hein, les deux, c'est des messages canalisés des anges. Alors, ils vous disent de vous imprégner de la nature. Allez vous promener dans la nature, dans un parc avec plein d'arbres. Allez prendre davantage des énergies avant que les feuilles tombent toutes, parce que là, ils ont commencé à tomber ici au Québec. C'est tellement beau le coloris automnal, là, les couleurs, là, mais c'est triste aussi parce que les journées raccourcissent, alors on a moins de clarté. En tout cas, moi, je trouve ça triste. Ça veut dire que l'hiver s'en vient. Mais que voulez-vous? Je vais vous lire c'est quoi le message ici, OK? Imprégnez-vous de la nature aujourd'hui.
Les anges vous disent, le monde de la nature est un don que Dieu a fait à l'humanité et aux animaux. Prenez le temps de profiter de la nature aujourd'hui. Faites une promenade, asseyez-vous à l'extérieur ou jardinez. Le magnifique règne de la nature est rempli d'une énergie propice à la guérison. Si vous ne pouvez sortir pour profiter du monde naturel, entourez-vous de belles images de forêts, de montagnes ou de plans d'eau. Accrochez des images au mur ou utilisez la photo d'une chute d'eau pour l'écran de veille de votre ordinateur. Bonne idée, ça. Je trouve ça... je ne sais pas s'il y a beaucoup de signes cancer qui ont... de la guérison à faire, de guérison, guérison divine, puis s'il parle de guérison aussi. Alors, sachez que les anges sont avec vous en train de vous aider dans la guérison, quoi qu'elle soit, que vous êtes en train de passer à travers, que ce soit une guérison affective, une guérison physique, ils sont en train de vous aider. OK? Pour votre tirage, on va voir combien vous avez d'arcane majeure. 1, 2, 3... 4. Vous avez 4 arcanes majeures, dont la carte qui représente votre signe. Alors, vous êtes sorti dans votre tirage, mes chers cancers. C'est des belles cartes. C'est toutes des belles cartes. Toutes des belles cartes. Gang de chanceux. Alors, on va commencer. Moi, je vois le 10 de coupe. Il est sorti une coupe de fois dans les premières cartes, là. Je vois que, vous voyez, Mercure aussi va commencer rétrograde. Pardon. Dans quelques jours, si c'est pas déjà commencé, il me semble que c'est dans quelques jours. Et puis, quand Mercure est en rétrograde, il y a tendance à avoir des personnes du passé qui refont surface dans notre vie. Habituellement, c'est des gens, ça pourrait être quelqu'un sur le plan affectif, sentimental, qui revient dans votre vie. Ça reste à vous de décider ce que vous allez en faire de la situation, si ça vous arrive, si ça vous touche. Mais je peux vous dire que vous avez le 6 de coupe qui représente quelqu'un du passé sur le plan émotionnel qui revient dans votre vie. Puis juste à côté, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, ça représente, c'est un grand amour, ça, là. C'est l'amour avec un grand A, le bonheur total d'un couple avec sa famille et tout ça. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous aviez, pour une raison quelconque, une rupture, puis j'entends, peut-être que la personne était partie, elle devait partir parce qu'elle avait accepté un poste ailleurs, dans un autre pays ou loin de physiquement de vous. Ça va peut-être toucher une ou deux personnes, ça, là, mais c'est parce que c'est rentré, là, tout d'un coup, alors il fallait que je le dise. Mais c'est le cas, c'est des retrouvailles pour vous, mes chers cancers. C'est une période de vie qui est très abondante sur le plan amoureux pour vous, sentimental. Pour ceux qui sont déjà en couple, sachez qu'il va peut-être avoir un renouveau qui va se refaire dans votre couple. Et puis, ça va être bienvenu, hein? pour les gens... Attendez un instant, là, j'ai perdu ma connexion. Oh my God, ça va revenir. En tout cas, c'est quelqu'un du passé habituellement qui revient. Le 6 de coupe, ça représente toujours quelqu'un de notre passé. Ça pourrait aussi représenter, pour certains d'entre vous, si ce n'est pas sur un plan amoureux, ça pourrait représenter des frères ou des sœurs. Hein? Peut-être que, tu sais, des fois, les familles, on s'éloigne. Comme moi, ma sœur reste dans la même grande ville où est-ce que je suis, mais à l'autre bout, puis on ne se voit pas. On peut passer des mois sans se parler. Elle est très occupée dans son travail, moi dans le mien, on a nos vies. Puis là, tout d'un coup, pouf, elle est arrivée cette semaine, puis on commençait à parler, puis tout ça. Elle est en vacances, tu sais, elle a un travail très demandant. Mais, tu sais, c'est ça, ça peut être de la famille aussi, là, qui refont connexion. Ça demeure un tirage général. Alors, prenez ce qui vibre avec vous, ce qui ne vibre pas, vous le relâchez, OK? Puis, je vous invite aussi à aller voir le tirage pour votre signe ascendant et votre signe lunaire, parce que souvent, il y a une partie de notre message qui est là, qui vient nous parler.
On continue votre tirage, mes chers cancers. Vous avez, j'ai l'impression que vous allez faire des belles rencontres, cependant, quand même, là, au mois d'octobre, ça va aller jusqu'à la mi-novembre. Vous avez le 3 de deniers ici, ça peut être aussi sur le plan travail. Peut-être que vous allez rencontrer des gens sur le plan travail, des gens très importants qui pourraient aider, vous aider sur le plan de votre carrière. Sachez que votre travail ardu n'est pas... il n'est pas fait en vain, hein. Vous êtes, les gens le savent, là. Vos superviseurs, quoi que ce soit, peut-être que vous ne saviez pas. Vous pensez peut-être qu'ils sont, tu sais, comme, ils ignorent tout le travail et l'amour que vous portez au travail que vous faites. Mais ils le savent. Tu sais, comme les gens se parlent, hein. Alors, il pourrait y avoir une opportunité d'un nouvel emploi pour vous là, durant ce mois-ci, pour certains d'entre vous. Ça peut être du bouche à oreille entre. Ça peut être un employeur qui parle à un de ses collègues, qui cherche quelqu'un, peut-être même temporairement pour quelques mois, mais ça peut être bénéfique pour vous sur le plan du travail. Ils cherchent du monde qui sont méticuleux, qui savent bien, qui sont des bons travailleurs, qui savent communiquer, des bons gestionnaires. Alors, sachez que je pense que ça va toucher quelques cancers, parce que vous avez ici le fou, qui est là, le mât ou le fou, moi je l'appelle le fou. Alors c'est un nouveau départ, ça. Puis vous allez vous lancer dedans avec, tu sais, vous allez être fiers de qui ont pensé à vous, puis mon Dieu, tout surpris, puis comme, mais vous êtes prêts à foncer dans ce nouveau défi pour vous durant ce mois d'octobre. Ça pourrait devenir quelque chose de plus permanent aussi pour certaines personnes d'entre vous. Vous avez ensuite l'autre arcane majeur qui est l'étoile, qui est un vœu réalisé. Alors, ce travail qui est juste au-dessus, comme ça, là, c'est peut-être quelque chose que vous espériez obtenir, mais vous ne pensiez pas que ça arriverait, que ça pourrait vous arriver. Alors, surprise pour vous, hein? Paf, voilà, c'est là. Ça va vous apporter beaucoup sur le plan... le plan monétaire, ok? Le 9 de denier, ça représente être bien financièrement. Ça représente aussi de l'argent. Ça peut être votre fonds de pension. Peut-être votre fonds de pension. Si vous êtes prêt de prendre la retraite pour certains d'entre vous, sachez que si c'était votre désir, ça pourrait être possible pour vous durant le mois d'octobre ou début novembre. Et puis, inquiétez-vous pas. Si vous aviez peur pour l'argent... quand le 9 de denier sort, l'argent est toujours là. Alors, inquiétez-vous pas. Écoutez ce que votre cœur vous dit, mes chers cancers. Faut toujours écouter notre cœur, hein, quand ça a des décisions comme ça pour nous, et non notre tête. Notre tête, on l'utilise pour les analyses, pour le travail, tout ça. Mais dans notre vie de tous les jours, il faut toujours écouter notre cœur. Même quand il y a un... Disons qu'on ne sait pas si... une situation ou une personne est bonne pour nous. Peut-être que, tu sais... Demandez, sondez votre cœur, essayez de remarquer comment vous vous sentez quand vous êtes en présence de certaines personnes ou lorsque vous êtes en train de faire certains travaux, que ce soit au travail ou à la maison. Tu sais, vous pouvez peut-être découvrir des nouveaux talents qui pourraient vous porter fruit durant votre retraite. C'est ce que vous pensez peut-être prendre au mois d'octobre, novembre, peut-être même avant la fin de l'année. Alors, la possibilité est là pour certains d'entre vous, mes chers cancers. Je vois que vous avez quelqu'un autour de vous qui pourrait être un signe de terre, donc Taureau, Vierge, Capricorne. Ici, c'est la reine de deniers, mais parce que c'est un tirage général, ça pourrait être un homme ou une femme qui pourrait être, comme je disais, Taureau, Vierge, Capricorne, signe solaire, ascendant ou lunaire. Cette personne pourrait être votre conjoint, conjointe aussi, ou qui a les ascendants. Ça pourrait être quelqu'un qui est un ami, une amie aussi, là, qui pourrait vous aider. Ça, c'est votre carte, hein? Le chariot, ça représente le signe de cancer, mais ça représente aussi prendre les choses en main. Ça pourrait... Vous voyez, la reine de denier, c'est une personne très terre-à-terre.
C'est une personne très enracinée, vous voyez. Elle vit sur la planète, bien, on vit tous sur la Terre. Mais les signes de Terre sont très dans le réel de la vie humaine. Okay? Ils sont très comme moi. Je suis double signe de Terre, Capricorne, ascendant, Vierge. Il y a des gens qui le savent, là. Mais, tu sais, moi, c'est la réalité de la vie ici, là, sur Terre. On sait qu'on a besoin de choses tangibles pour vivre. On a besoin d'un toit au-dessus de notre tête. On a besoin de l'argent pour s'acheter nos choses. Tu sais, comme ma vie tourne pas autour de l'argent, mais je sais l'importance de l'argent. Et je respecte le denier. Je veux dire le denier, parce que c'est le denier. Moi, je serais une reine de denier, vous voyez. Ce serait un cirage personnel, puis que je faisais ça, disons que tu sais, comme j'avais un conjoint ici, là, je pourrais dire, puis je faisais le tirage, mon mère, regarde, là, je suis sortie dans ton. Puis disons que mon conjoint était un cancer, je dirais, regarde, c'est nous deux, on est là, tu sais, comme ça. Alors, c'est ça. Mais c'est quelqu'un qui est signe de terre, qui pourrait peut-être vous guider si c'est quelque chose. Si on parle de la retraite ici, là, que vous aimeriez prendre votre retraite, mais vous ne savez pas si vous pouvez vous le permettre, cette personne-là qui est signe de terre ou qui a de ascendant ou lunaire en signe de terre, mais surtout solaire, pourrait vous guider là-dessus. Alors, tu sais, des fois, il y a des affaires qu'on ne sait pas. Comme moi, je suis à la retraite, j'ai un travail à temps partiel que j'adore. J'ai jamais un travail. Je deviens tout émotionnelle quand je parle de ce travail-là. C'est pas un travail pour moi. Je remercie les êtres de lumière chaque jour d'avoir ce travail-là. Parce que j'ai l'opportunité d'aider les gens qui viennent à la boutique et puis j'adore parler aux gens puis leur faire réaliser certains aspects de leur vie. Transmettre des messages, vous voyez ce que je veux dire, c'est j'adore, j'aurais adoré ça, j'aurais pas pu me permettre juste avoir un emploi comme ça durant toute ma vie parce que c'est pas assez rémunérateur, vous voyez, je suis un signe de terre, là, je parle d'argent. Mais comme emploi temps partiel, en tant que retraité, c'est comme le travail c'est mon travail de rêve. En tout cas, vous êtes sorti dans votre tirage. Comme je disais, si vous avez décidé de prendre votre retraite ou que vous envisagez le faire, il y a peut-être quelqu'un qui va pouvoir vous guider sur ce plan-là. Mais vous voyez, quand le chariot sort comme ça, là, vous allez prendre votre vie en main, puis vous allez foncer parce que c'est une énergie rapide. Vous allez faire votre décision, là, puis il n'y a plus de revenez-y, comme on dit ici au Québec. Alors, vous allez prendre votre décision, vous allez aller de l'avant. C'est une carte de victoire aussi, mes chers cancers. Alors, ce n'est pas une décision que vous allez regretter plus tard, disons. OK? On va aller avec les maisons. On va commencer avec la maison de la chance. La maison de la chance, vous avez la reine d'épée. La reine d'épée dans la maison de la chance, pour moi, ça veut dire que votre chance ce mois-ci, ça va être des chances de faire des décisions. Hein? Vous allez trancher, comme si, disons, si vous décidez de prendre votre retraite. Vous allez trancher, puis vous allez faire votre décision, puis c'est fait, vous revenez pas. C'est comme, ça me fait penser, la reine d'épée, elle me fait penser comme quand je vois la reine d'épée, je pense à une avocate. Hein? Ça pourrait être un juge aussi, mais pour le juge, je dirais plutôt que ça serait la justice, hein? La carte de la justice, l'arcane majeur de la justice. Ça serait le juge. Mais quand je vois la reine d'épée, je ressens comme une avocate, quelqu'un qui pense avec sa tête, là, il a tout fait le raisonnement, les pour, les contre, il fait sa décision et il tranche. Alors, vous allez avoir la chance de trancher sur plusieurs aspects de votre vie ce mois-ci, mes chers cancers. Et puis, il n'y a pas, quand la reine de denier ou le roi de denier tranche, là, il n'y a plus de revenez-y. Hein? C'est fait, on ne change pas d'idée par la suite. Alors, pour revenir ici, là, il faut que je revienne à ça, là.
Ça se pourrait que, personnel entre vous, si votre conjointe ou votre conjoint, si c'est vous qui êtes le signe cancer, est de signe de terre, donc taureau, vierge, capricorne, signe ascendant, solaire, ascendant ou lunaire, il est très possible que vous partiez en voyage aussi parce que le chariot peut représenter un voyage. Peut-être que vous allez aussi vous procurer une, changer votre voiture, vous acheter une nouvelle voiture. Pour certains d'entre vous, mes chers cancers. Alors, préparez-vous, OK? Parce que vous êtes très, tu sais, étant l'opposé du Capricorne dans la carte du ciel, vous avez, on reflète, on va chercher les qualités de chacun, hein? Alors, tu sais, vous êtes des bons négociateurs, les cancers en général, lorsque vous achetez. Alors, tu sais, ce serait peut-être un bon temps si vous envisagez, vous achetez une voiture neuve. Ce serait peut-être un bon temps parce qu'en automne, ils ont souvent des liquidations parce qu'il y a des nouveaux modèles de l'année suivante qui arrivent. Alors, vous pourriez peut-être vous trouver un bon deal sur une voiture. Juste penser ça. Ça va peut-être toucher une personne, mais en tout cas. Sur le plan amoureux, mes chers cancers, vous avez. Vous avez le magicien ou le battleur. C'est la même carte, là. Il y a des gens qui appellent le battleur, d'autres le magicien. Moi, j'aime l'appeler le magicien parce qu'on est tous des magiciens, hein? Le magicien a tous les items nécessaires pour amener dans leur vie ce qu'ils veulent. Puis quand le magicien sort, puis en ce moment, c'est dans la maison de l'amour, hein? On parle de la maison de l'amour. Faites attention parce que vous allez penser et ressentir, vous allez l'attirer vers vous. Alors, n'oubliez pas, au début du mois, je vous ai montré là, quelqu'un du passé là, avec le 10 de coupe ici à côté. Si vous pensez que vous allez rester seul le restant de votre vie, l'univers va dire, vos désirs sont de mes ordres. Voilà, c'est ce qui va arriver. Alors, vous êtes très puissant durant ce mois ici sur le plan sentimental. Faites attention à vos pensées et à vos émotions, mes chers cancers, que vous soyez en couple ou non. Faites attention parce que vous pouvez vous attirer des ennuis si vous restez, si vous vous mettez dans des énergies des basses énergies, là, tu sais, comme de chiolage ou de, tu sais, toujours de mauvaise humeur. Ça va vous mordre. Alors, demandez à vos guides de lumière là, chaque matin. Là, ça, c'est un petit à côté que je vous suggère. Demandez-leur de vous montrer, de vous faire réaliser quand vous n'êtes pas dans des bonnes énergies, OK? Parce que n'oubliez pas, quand le magicien sort, là, vous êtes extrêmement puissant dans cet aspect-là de votre vie. Faites attention parce que vous attirez ce que vous pensez, OK? Sur le plan de la santé, vous avez le 8 de denier. Alors, c'est beaucoup, beaucoup, je pense que peut-être que plusieurs d'entre vous allez travailler sur peut-être sur vous-même, peut-être que vous allez commencer peut-être un nouveau régime, peut-être vous allez commencer à faire des exercices, de la marche, quoi que ce soit. Mais vous voyez, quand le 8 de denier sort, c'est quelque chose que, tu sais, vous allez vous mettre dedans, puis vous n'êtes pas pour l'arrêter en plein milieu, là. Tu sais, vous commencez quelque chose, puis vous allez continuer, 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 parce que le 8 de denier, ça représente je pense que c'est le deuxième ou le troisième décan du signe Vierge, je ne me souviens pas. Mais signe Vierge, c'est un signe très assidu, puis comme travail, travail, travail. Hein? Vous allez travailler fort pour votre santé, mais vous allez atteindre vos buts. N'oubliez pas. Hein? Vous allez atteindre vos buts. Alors, que ce soit sur le plan alimentaire ou le plan exercice, si vous décidez de commencer quelque chose là-dedans, vous allez réussir. C'est une carte de réussite. Alors, c'est comme une carte d'apprenti. Vous allez être très méticuleux dans ce que vous allez faire. Puis, s'il y en a qui ont eu des ennuis de santé, disons que cette carte-là, c'est une carte positive, alors ça va aller mieux. OK? Sur le plan du travail, des autres activités. Vous avez le 6 de bâton, la carte de la victoire. Hein? Puis on parlait de
autre activité. Si vous êtes près de la retraite, bien, si vous décidez d'y aller, bien, la victoire est là. Si on parle d'un nouveau, une nouvelle opportunité de travail, la victoire est là. Vous savez, la vie, là, on a juste à demander à l'univers, lâcher prise, savoir qui s'en occupe et ne pas demander quand et comment. Juste le demander et lâcher prise. Puis vous allez voir à quelle rapidité, à quelle vitesse ça va vous arriver dans la vie, les chers cancers. N'oubliez pas, vous êtes le maître de votre vie. C'est très rapide quand on lâche prise. Écoutez un Capricorne. On est apparemment le signe qui manifeste le plus rapidement. Puis je peux vous dire que moi, là, les dernières semaines, je demandais quelque chose. Puis même aujourd'hui, j'ai demandé quelque chose cette semaine. Et puis, même des petites affaires, là. Ça serait le fun si, blablabla, puis là, 2 jours après, oh my God, et que ça l'arrive. Ça m'arrive sur un plateau, puis je suis là, merci. Parce que je sais, j'ai demandé, puis c'est pas rien. C'est pas rien de gros, là. J'avais demandé, parce que moi, j'adore les. Un petit à côté, là. J'adore les émissions comme Star Trek, là, puis tout ça, là. Tu sais, la science-fiction. J'adore ça. Tout ce qui a rapport avec les planètes et tout ça, puis je ne sais pas, j'étais un extraterrestre mais j'avais demandé ça parce que j'adore ça, ces programmes-là. Je regardais ça avant, puis là, mais il y en a plus. Puis, tu sais, j'aimerais ça trouver un poste où est-ce qu'il y a une poste à la télévision où est-ce que je pourrais trouver, voir ça, des émissions de même. Mais aujourd'hui, j'ai remarqué, oh, il y a un poste, qu'est-ce que c'est ça? Science-fiction. Là, je m'en vais voir. Puis ça, tout Star Trek, un après l'autre. Oh, j'étais tellement contente. J'adore ça, moi. Tu sais, comme Capitaine Jean-Luc Picard, là, tu sais, la nouvelle génération, là. En tout cas, j'aimais bien ça. Ah, c'est tout. La surprise du mois. Pour vous, mes chers cancers, vous avez le 8 de bâton. C'est une énergie extrêmement rapide. Ça pourrait représenter aussi un voyage au-dessus d'une mare d'eau, alors par avion. Si certains d'entre vous, peut-être, allez voir un voyage qui était en spécial, puis vous allez, tu sais, comme juste, OK, on va réserver le voyage, et puis c'est peut-être pour plus tard, mais c'est quelque chose qui arrive rapidement, c'est la surprise du mois. Ça peut être des communications très rapides avec quelqu'un, tu sais, comme c'est quelque chose, ça peut représenter le travail, c'est le bâton, mais ça peut représenter la communication aussi, parce que c'est, tu sais, les bâtons font de l'air, c'est rapide, malgré que habituellement, c'est la communication, c'est les épées, mais ça ne fait pas rien. Ça peut représenter pas des courriels, mais comme des SMS, là, tu sais, comme des messages textes. En tout cas, alors c'était votre tirage du mois. J'espère que vous avez aimé, mes chers cancers. Si c'est le cas, je vous inviterai à cliquer j'aime en bas de la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'espère vous revoir le mois prochain. Je vous aime fort. Faites attention à vous. Bye bye.